Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 18 août 2020. Donc, je vais utiliser aujourd'hui le Illuminated Tarot, le tarot lumineux. Voilà, j'avais envie d'utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc, voilà. On va commencer avec le saint du jour. Le saint du jour. Je vais essayer de ne pas oublier les breloques aujourd'hui. Je vais essayer. Le saint du jour. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui vient de se retourner? Non. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Peut-être voilà, que vous avez bien recommencé la semaine et que tout va revenir dans la normale le plus vite possible. Oups, oui, il veut nous dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il y en a deux. Eh bien, on va les prendre tous les deux. Nous avons Sainte Barbe et Saint Balthazar, je crois. Oui. Alors, Sainte Barbe et Saint Balthazar. Ba. Elle mène un peu qui on va faire ça à Balthazar alors. B. Balthazar. Alors, cette carte symbolise par la puissance. Je recommence. Cette carte symbolise la puissance et la richesse. Par sa référence au roi mage, elle est en rapport avec l'astrologie et la science de la divination. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard, point. C'est une phrase. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard. Point. Cette carte symbolise. Non, il n'y avait pas de virgule. Hein, c'était un point. Cette carte symbolise la force du destin, la puissance des cycles qui conduisent à l'humanité à travers les temps. En divination, cette carte indique la réussite financière, la possibilité de gagner au jeu de hasard. J'aime pas le mot hasard parce que le hasard n'existe pas pour moi. L'accès à un poste important. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par la rencontre avec un maître ou un guide. Saint Balthazar est le patron des quartiers et des joueurs de cartes. Donc ici, en effet, on est susceptible d'avoir une rentrée d'argent inattendue et d'une manière un petit peu, peut-être, moins conventionnelle. Voilà, une opportunité qui pourrait s'offrir à vous aussi. En tout cas, ça va vers les finances. Ça va vers... Ben, ça va vers la puissance, la richesse. Donc c'est parfait. C'est parfait. Nous allons mettre celle-ci ici. Voilà. Ensuite, l'épée. Ah non, Sainte Barbe. Ouh, Sainte Barbe, je l'ai oubliée. Oubliée. Oui, petite Sainte Barbe, je m'excuse. Mon chien qui est tombé. Ah oui, permettez. Voilà. Alors, Sainte Barbe. Alors, cette carte, par la tour que tient la sainte, symbolise la force, force morale ou physique. Par le ciboire contenant les hosties, elle symbolise la force issue de Dieu ou la force spirituelle acquise par l'exercice de la concentration ou de la méditation. La mèche enflammée indique les dangers d'une force mal employée. En divination, cette carte indique une affaire puissante, une fortune solide ou une œuvre forte. Le sujet est protégé. Il peut devenir lui-même un personnage puissant. Sur le plan spirituel, une voie contemplative ou mystique. Sainte Barbe est la patronne des artilleurs et des mineurs. Moi, je dis, il n'y a quand même pas de hasard. Et si ces deux cartes-là, qui sont vraiment assez puissantes dans leur...
dans leurs interprétations, dans leur symbolisme, ben voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ben, chacun devrait recevoir ici, plus ou moins, hein, parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas avoir la même chose, sinon ce serait facile, mais en tout cas il y a des changements de la protection, de la puissance, moi je dis aussi de la popularité. Ce sont des cartes vraiment d'argent. Si vous êtes en manque d'argent, si vous êtes avec des petits problèmes, des petits soucis matériels, on va dire, ben, peut-être que justement ça va passer, ça va se régler. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont aller vraiment dans le positif par rapport aux finances, par rapport aussi à la force, à une certaine force, à une certaine puissance. Comment je dois te mettre, toi, pour pas que tu mettes ta feuille, celle-ci. Bon, on va faire ça. Alors, les ronds, mes ronds, le rond de cristal. Le rond de cristal que vous pouvez aller voir sur la chaîne de Jonathan, l'œil dans le noir, Jojo, qui va republier tous ses jeux. Et donc, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il raconte sur sa chaîne, parce que tous ces jeux vont être republiés, mais à la fois, dirons-nous, selon la demande. Voilà. Allez, on y va pour choisir, ben voilà. Oh, je les prends, hein, puisqu'elles sont toutes les deux, donc... Ici, on nous dit une prochaine fois. Et celle qui était retournée, donc je l'ai lue, je la prends. Quelqu'un du passé est en train de revenir vers vous. Une personne revient. Quelqu'un du passé revient. Je ne vais pas venir vers vous. Une personne du passé revient dans votre vie ou revient vers quelqu'un d'autre. Voilà. Une prochaine fois. Peut-être qu'on vous dit une prochaine fois, quelqu'un du passé revient. Il y a peut-être une raison. Est-ce qu'on doit attendre que la personne soit revenue? On ne doit pas le faire maintenant parce qu'il y a une personne qui va revenir et qu'on va pouvoir le faire ensemble. Une prochaine fois, quelqu'un du passé revient. Où on doit attendre que cette personne soit revenue et repartie. Voilà. Et puis, nous avons l'arc-en-ciel. Ouais. Il y en a à l'endroit et à l'envers. Parce que je les avais fait sauter, n'est-ce pas, depuis. Je ne les ai pas remis en ordre. Alors, la petite phrase et le chiffre pas. Du coup, j'exprime ma gratitude. Donc, ici, nous allons avec le chiffre 4. Nous allons ici, donc, être contents. Donc, on va remercier. On remercie. Donc, vous allez avoir, il va y avoir quelque chose et vous allez remercier une personne ou remercier quelqu'un, voilà, voilà. Le 4, encore une fois, ça nous parle de travail, de hiérarchie. Ouais. Travail, l'ordre, la hiérarchie. Et donc, on pourrait ici, on exprime sa gratitude peut-être parce qu'on va grandir par rapport au travail, parce que... Parce qu'il y a des choses qui vont vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'ici, il va y avoir beaucoup de changements par rapport aux finances et peut-être à cause ou grâce au travail, finalement. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir du changement. Et si c'est revenu autant, si ça sort autant, à mon avis, c'est juste parce qu'on devra peut-être faire attention. Parce que parfois, la chance, elle ne fait que passer. Et donc, en le sachant, automatiquement, on doit la saisir, sa chance, quand elle passe. Donc, voilà. Allez, ici, nous allons utiliser le tarot
lumineux. Pour faire les 13 cartes, choisir les 13 cartes. Et puis je prendrai le tarot des archanges pour faire l'amour. Qui sont tombées. Elles sont épaisses, ces cartes. Moi, j'adore ces cartes. Elles sont épaisses. Elles sont... Mais je vous l'ai dit. Je n'en ai pas utilisé. Non, c'est pas à vous que je l'ai dit. Elles sont lignées. Et comme, quand on fait ça, on sent qu'il y a des lignes comme ça. Ben, voilà. Et ce jeu... Dans ce jeu, sont repris certains arcanes du tarot. Pas tous. Voilà. Parce que c'est un jeu de 52 cartes, plus le jeu, un joker ici. Donc, voilà. Bon, on y va, les amis. Alors, ici. Nous allons, ici j'ai un symbole de partage, toujours l'argent ici, l'argent, les finances, le bien-être, le partage. On doit donner, on doit recevoir, et j'ai l'impression que aussi, pour certaines personnes, vous êtes dans une passe où vous pleurez un peu sur votre sort ou vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez parce que vous n'avez pas vraiment très très envie. Pourtant, il y a quelque chose qui va... C'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment ici une opportunité qui va arriver pour vous pour pouvoir peut-être justement, entre guillemets, se refaire. Alors, attendons-nous. Je ne vous dis pas sûrement pas d'aller jouer aux cartes pour vous refaire parce qu'on a dit que si on allait gagner des sous. Non, j'ai pas dit ça pour ça. Si, non, surtout pas. J'ai utilisé une mauvaise expression. Je voulais dire ici pour vous refaire. Oui, mais. Pas en allant jouer ce que vous n'avez pas. Donc, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir de la chance pour pouvoir récupérer certaines choses, redevenir comme avant, pouvoir donner, pouvoir recevoir, accepter de donner. Mais il y a ici, vous êtes bloqué parce que vous regardez toujours vers le passé. Et il faut vraiment ici que vous puissiez prendre la chance qui va vous... Il y a vraiment une chance qui va vous être présenté. Voilà. Et en l'occurrence, cette carte, ce serait le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui va nous parler ici d'un cadeau de la vie, d'une opportunité. Il faut vraiment faire abstraction de ces plantes qui sont fanées dans les coupes. Les laisser là, elles sont foutues. Et prendre la coupe là, qui est là-bas, là-bas, et qui est remplie de fleurs en bonne santé. Et puis, vous allez avancer et vous allez aller vers vraiment ici vers de la générosité et vers de l'accepte. Peut-être que vous avez peut-être difficile d'accepter quelque chose. Ou alors, vous n'avez plus qu'une chose à faire pour arriver. C'est comme si quelqu'un voulait vous aider. Que vous refusez, ou vous avez toujours refusé l'aide, ou vous refusez l'aide de cette personne, et que là, vous êtes au plus bas. Et la proposition est toujours là. Ou la proposition n'était plus là. Mais elle va revenir, peut-être de la même manière, peut-être d'une autre manière. Donc, il faut vraiment la saisir, cette opportunité, pour pouvoir enfin redevenir dans... Être de nouveau dans la générosité. Alors, on peut être généreux soi-même et on peut aussi avoir besoin des autres. Personne n'est à l'abri. Et donc, ici, on vous demande d'accepter ou d'être généreux selon
votre situation, qu'elle soit financière ou pas. Hein, ce n'est pas spécial. Oh, ce n'est pas spécialement de l'argent. Hein, ici, ça va. C'est peut-être plein de choses. Il y a quelque chose qui va se terminer ici. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. On va faire une razzia et il y a une nouvelle rencontre ici, une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale. Mais il va y avoir quelque chose, encore une fois, qui va se présenter par rapport à l'amour. Beaucoup de... Je pense qu'il y a, je sais pas, un nouveau cycle beau. Cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, je voulais faire ça, 11, 12 et 13. Et voilà. On recouvre si nécessaire. On y va. Alors, une. Elles sont grandes ces cartes, hein. 2, 3. 4, 5, 6. Je trouve ce jeu magnifique. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. C'est bon? On est prêt pour la retournation des cartes? On y va. Ah, nous avons le 7 de... Alors, je ne vais pas utiliser les cartes de cartomancie en cartes de cartomancie. Avec les valeurs des cartes de cartomancie, je vais utiliser, moi, ces cartes d'après le dessin, d'accord, d'après l'interprétation, je vois. Bon, ici, ça me parle d'une famille, une construction, on construit sa maison, ça peut être la construction d'une maison, la construction, on construit son nid, on commence quelque chose, on met de côté, ça pourrait même être un déplacement, plus profond, donc on pourrait déjà ici mettre en place parce qu'on a économisé, parce qu'on a pris nos décisions. Donc ici, on va peut-être pouvoir commencer à faire construire sa maison, par exemple. Mais en tout cas, ça nous parle, moi ici, ça me parle de... On bâtit quelque chose ensemble. Mais il est possible qu'il y ait... On bâtit quelque chose ensemble dans le couple. Mais il pourrait y avoir quelque chose... Un petit blocage. Un petit blocage. Ici, j'ai le 4 de carreau. 4 de carreau. Peut-être un petit blocage d'argent, un petit blocage financier du coup. Peut-être que vous n'aviez pas prévu quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver et ça, c'était pas prévu. Donc, ça va peut-être ralentir un petit peu les choses. Ou vous devez peut-être payer un peu plus cher que prévu. Ou
Ou alors, vous allez avoir un avis différent sur quelque chose. Par rapport à mon avis, une divergence d'opinion. Pour pouvoir, j'ai inventé ici, c'est comme si on allait construire sa maison. Tout va bien, tout va bien, on a l'argent, voilà, on y va. Et puis, on va mettre ça, et puis non, ah mais non, on va pas mettre ça, on va installer, je sais pas moi, je vais inventer, on va mettre deux salles de bain au lieu d'une, on avait prévu qu'une, et puis on a dit, ah non, mais non, on n'a pas le budget pour mettre une deuxième salle de bain, et oui, on a le budget, mais on va juste devoir, peut-être, on pourrait peut-être se priver d'autre chose pour pouvoir mettre la deuxième salle de bain, parce que c'est nécessaire, un truc comme ça, voilà. Et donc, on va peut-être avoir un petit ralenti. On va voir. Allez, donc, ici, nous avons le 9 de trèfle. Évidemment, tout va s'arranger. Ici, c'est pour moi l'abondance. C'est le bonheur. On va avoir suite à une petite mésentente, une petite dispute, un petit conflit, ou alors on veut faire passer quelque chose avant autre chose, ou faire passer quelqu'un avant quelqu'un d'autre, ça va s'arranger, voilà, si c'est le cas, ça va s'arranger, vraiment, vous allez pouvoir avoir la satisfaction et avoir ce que vous désirez avoir, et faire ce que vous désirez vous faire. Donc ça pourrait parler d'une idée. Une idée. D'accord. Alors ici, nous avons ici le 6 de cœur. Le 6 de cœur va nous parler d'âme sœur, d'amour. Je reste quand même un petit peu avec des notions. Hein. D'âme sœur, d'amour, donc pour moi ici. Mais il pourrait y avoir une tierce personne là, du coup. Une personne cachée. Oui, oui. Tiens. Alors là, c'est bizarre. Je parle d'une maison, il ne faut pas se focaliser sur une maison, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais ici, peut-être que... Je vois ici, alors on est dans l'âme sœur, ou alors c'est une personne du passé, quelqu'un qui revient... Et qui va peut-être chambouler un petit peu les plans ici. On va voir avec les autres cartes. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez aimer, mais ça, ou alors c'est quelqu'un que vous allez revoir, mais qu'on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. On va voir. Ok, ici, il y a un choix. Vous allez faire un choix. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Beaucoup plus rapide que prévu. Voilà, il va peut-être y avoir une espèce de... C'est comme si il va arriver quelque chose, ou une personne va revenir. Ça, alors ça peut pas être, ça peut être aussi oui un ex ou une ex, mais ça peut être aussi une sœur, une belle sœur, quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop ou qu'on apprécie beaucoup, qui va venir et qui va faire changer les choses. Mais pour moi, ça sera positif parce que cette carte-ci, pour moi, ça va me parler du chariot et le chariot, il est positif, c'est le triomphe. Voilà. Mais si maintenant je prends le 7 d'épée. Ça parlera de déception, plutôt. Donc, il est possible que pour certaines personnes, justement, ce soit la personne qui arrive, il va y avoir une personne qui va arriver, que ça va être justement bien, ça va pouvoir faire avancer les choses. Ça peut être une personne aussi qui vienne apporter du bonheur ici. Et du coup, on a une certaine victoire, on a la victoire,
Mais ça pourrait être éventuellement pour certaines personnes, une personne qui vient ici apporter des regrets, apporter de la déception. Ça pourrait même parler de vol. Ok. Ici, j'ai la dame de deux carreaux. J'essaie de faire abstraction des. Alors ici, je vois c'est aussi une personne, une maternité. Je vois une maternité. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'on va tomber enceinte. Alors là, je vous laisse. Je ne dirai pas ce que j'ai envie, ce que j'entends parce que voilà. Mais il pourrait y avoir une grossesse qui serait prévue, oui ou non. Voilà, il pourrait y avoir une grossesse. Vous pourriez tomber enceinte. Ou peut-être une tierce personne, si vous êtes monsieur et que vous avez deux madames, il y a une madame qui va tomber enceinte. Faites attention. Ça pourrait être le truc comme quoi, voilà, je suis enceinte maintenant. T'es dans la merde. Ok, là j'ai le valet de. Non, j'ai. Oui, de trèfle. Ici, j'ai des échanges, la communication, des échanges. Il va y avoir, vous voyez, suite à la grossesse, il y aura ici des échanges. Enfin, on voit, ce sont des chats. Hein. Un chat, parfois, il faut regarder, on dirait des lacs vus de haut, des étendues d'eau. Non, ce sont des chats. Et il y a un petit oiseau là. Alors, est-ce qu'il va manger l'oiseau, le chat? Ou pas? Alors, quand je parle de grossesse, oui, ça peut être vraiment une grossesse. Ça peut être aussi quelque chose qui va arriver très vite avec une personne que vous allez revoir, rencontrer, une personne qui va vous apporter du bonheur. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un pour cette personne. En tout cas, la personne avec qui vous allez avancer dans la vie, ce sera une personne que vous aimez, mais qui vous aime aussi. Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment être sûr qu'elle vous aime. Ça peut être la personne avec qui vous êtes maintenant. Et donc, du coup, il va y avoir une grosse avancée. Si vous êtes célibataire, il va y avoir quelque chose qui va se présenter. Ça va être beaucoup plus vite que prévu. Soyez quand même prudent et vigilant si vous ne voulez pas tomber enceinte maintenant, parce que j'ai quand même ici des grossesses. Oui. J'ai aussi des. Résultat de peut-être de risques qu'on a pris. Et il va falloir discuter, on va devoir discuter. Alors, est-ce que ça va être bien ou pas? Oui, parce que là on a le 9 de coupe, du coup, on ne pourrait pas dire autrement, donc on a le 9 de coupe, qui, le 9 de coupe, va nous parler d'amour, va nous parler de. D'abondance. On va nous parler de faire un vœu, donc faites un vœu avec. Ce n'est pas un tarot ici. Hein. Il s'appelle tarot lumineux, mais ce n'est pas un tarot. Donc, faites un vœu, l'œuf de coupe, et puis ici, ça nous parlera de quelqu'un qui est célibataire, qui n'attend plus que vous, ou c'est vous qui êtes célibataire et vous allez avoir une personne qui est en train d'arriver. Qui est en train d'arriver. C'est parce que j'essaie vraiment de mettre. J'aurais pas dû prendre des exemples. Parce que c'est ça qui me perturbe. J'ai pris des exemples et j'aurais pas dû. Voilà. Parce qu'on va peut-être se focaliser sur je construis quelque chose avec quelqu'un et je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Je vais peut-être tomber enceinte de l'autre et je vais faire mon choix et je vais peut-être partir avec l'autre. Oui, ça pourrait se résumer à ça en effet aussi. Mais. Ce n'est pas que ça, donc peut-être qu'il faudrait. Bon, c'est trop tard maintenant. Moi, j'ai parlé comme ça, mais. Enfin, je vais essayer de résumer autrement après. Donc, ici, faites un vœu. Et pour moi, si vous êtes célibataire, ça ne va plus durer très longtemps. Ça ne va plus durer très longtemps.
D'ailleurs, il y a une nouvelle rencontre ici. Nous avons une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Nous avons une nouvelle rencontre amoureuse. Si vous êtes déjà en couple et que vous êtes bien, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous allez peut-être faire certaines choses ensemble. Voilà. C'est la fin des épreuves, les amis, ici. On arrive à la fin des épreuves. Donc, on va pouvoir enfin laisser... Oui, on va pouvoir poser ce qui est encore une épreuve pour nous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir enfin se redresser et puis faire ce que l'on a envie de faire. Les épreuves seront terminées. On est vraiment dans cette passe-là. Ici, on a la reine de pique. Alors ici, il y a une décision qui va être prise, en effet. Il y a vraiment une décision qui va être prise parce que justement, toutes les mauvaises, toutes les choses dures de la vie vont être vont se passer, vont être dépassées. Et donc, vous allez pouvoir enfin prendre des décisions tranchées qui ne plairont pas à tout le monde. Il est possible aussi que ce soit une autre personne, votre mari, votre femme, voilà, que ce ne soit pas vous, mais une autre personne de votre cœur ou de votre vie, qui va avoir terminé les difficultés qu'elle vit, et une décision pourra enfin être prise. Donc, je veux dire peut-être que voilà, le divorce va être terminé, la personne va sortir de son divorce, ça va être fait, ou on entame les procédures, on pose le fardeau et on prend des décisions. Voilà. On va vraiment ici prendre des décisions. Ou quoi que je marche sur mon chien. Ou je chope dans mon chien. Pardon. Il va y avoir vraiment des décisions qui vont être prises et qui vont vraiment être... qui pourraient blesser certaines personnes. Mais j'ai l'impression que ce sera pour vous des décisions qui vont trancher, mais qui vont blesser certaines personnes. On a le 2 de trèfle. C'est la passion aussi. Hein. On a la passion. On a un nouveau... Alors, ça pourrait aussi parler de travail. Un nouveau partenariat. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. De passion. Moi, pour moi, c'est par rapport à l'amour. Ce sera un amour avec l'amour et un amour avec la passion. Donc, ça va être quelque chose de passionnel. De passionnel avec de l'amour. Ça va être quelque chose de hard. Et enfin, on a le soleil. Ben, j'avais dit qu'on avait le soleil, là. Non, on a la lune. Et on a le soleil ici. Pardon. Non, ici, on a la lune. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Donc, du coup, je vais revenir à ça. Donc, ici, on a le soleil. Donc, on termine avec le soleil, qui est l'abondance totale et générale dans tous les domaines. Voilà. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on construit quelque chose. Petit blocage ou alors on va s'entraider encore plus. Après, ici, j'ai le 4 de carreau où on va peut-être devoir aller un petit peu sur nos économies. Voilà. Et du coup, des économies cachées. On va peut-être découvrir de l'argent ici. On va peut-être dévoiler certaines choses. Peut-être que vous avez mis de l'argent de côté sans le dire. Et là, maintenant, vous allez peut-être dire, ben voilà. Ou alors, une personne, voilà, je ne sais pas, vous êtes jeune, vous avez donné une partie du salaire, de votre salaire à vos parents, et vos parents ne vous l'ont jamais dit, mais ils ont toujours mis le salaire de côté. Donc, maintenant, vous allez quitter le nid, et vous allez voir que peut-être que vous avez râlé parce que vous deviez donner une partie de votre salaire aux parents, mais en même temps, vous allez très très bien content parce que le salaire, vous allez découvrir quelque chose ici de très très positif de toute façon, et on va dire que
l'argent, vous allez avoir une belle somme d'argent maintenant pour partir et pour pouvoir aller construire quelque chose. Ou alors, il y a une tierce personne qui va être mise à la lumière. Voilà. C'est plus logique, du coup. Parce que là, j'ai la lune. La lune, ça veut dire qu'on met à la lumière ce qui est caché. D'autant plus qu'on a le soleil ici. Donc, on a les deux. Le soleil, c'est la carte, pour moi, la plus importante, puisque c'est celle qui termine le jeu. Et donc, ici, nous avons l'abondance totale et générale. Donc, c'est la fin des épreuves. Peut-être que vous allez vous afficher avec la tierce personne. Peut-être que c'est la tierce personne qui va se retrouver célibataire parce qu'elle va entreprendre des choses pour une séparation, pour un divorce. Du coup, d'où les échanges. Les échanges, ou plutôt les décisions qui vont être prises, qui vont être... vraiment tranché, parce que on a décidé de quitter quelqu'un, et donc vous, votre partenaire va venir vers vous, vous a choisi vous, maintenant oui, il va y avoir de nouveaux choix à faire, mais ça va aller beaucoup plus vite que prévu. C'est la fin des épreuves. Non, moi, je vois quand même très, très positif. Même s'il y a ici une séparation, que ce soit vous qui vous sépariez ou que ce soit l'autre qui décide de se séparer, moi, j'ai l'impression que ça va se faire quand même en douceur. Alors, il y aura peut-être quelques prises de bec, quelques menaces, mais ça ne va vraiment pas aller au-delà. Je réfléchis quand même pour ne pas vous dire de fausses informations. On va peut-être découvrir ici une tromperie. C'est le seul pic que j'ai, donc. Il y a peut-être des choses qui vont être dites et qui vont avouer. On va avouer une tromperie. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On fait un bout de chemin ensemble et puis on se sépare parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec la personne. Et donc maintenant, on arrive au bout et puis on a quelqu'un d'autre. Et puis, on va faire ce bout de chemin avec l'autre personne. Si c'est le cas, si vous avez déjà quelqu'un d'autre, je pense pouvoir vous dire ici que oui, vous allez avancer avec cette personne. Oui, la personne va quitter son mari ou sa femme ou voilà pour vous, pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir construire quelque chose avec vous. Parce que j'ai une construction passionnante, passionnelle et amoureuse. J'ai quand même des coupes. Enfin, les cœurs. Non, il y a... Ah oui, et donc le retour d'une personne ici, qu'est-ce qu'on avait ? Quelqu'un du passé revient. Si je prends le 6 de cœur... Ça va nous parler ici d'âme sœur, d'une personne du passé qui revient, effectivement, de générosité, etc. Donc moi, je pense qu'ici, alors une personne pourrait revenir vers vous. Ou la personne avec qui vous êtes avait changé et elle va revenir comme avant. J'espère que le son fonctionne, du coup. Je crois. Wouhou! Donc voilà, pour moi c'est beau, c'est tout beau, peut-être pas pour les personnes qui vont être laissées, mais il y a beaucoup de changements positifs pour vous. Oui, nouvel amour, nouvelle rencontre, passion, fin des épreuves, le 9 de coupe, on fait un vœu, on est célibataire, mais on ne le sera plus longtemps. On a la victoire, on a une personne du passé qui revient, on a les âmes sœurs, les flammes jumelles, on a mmh.
On pourrait parler ici de petites compétitions. D'ailleurs, quand on regarde ici les castors, on voit bien peut-être que, oui, ils construisent quelque chose ensemble, hein, le barrage probablement. Et seulement, voilà, ils ont mis des bois, et là, il n'en reste peut-être plus qu'un, et là, ils se le disputent. Et donc, il y a peut-être un petit conflit. Donc, comme c'est la première carte que j'ai retournée, peut-être que vous vivez peut-être dans un certain conflit. Peu importe par rapport à quoi. Et peut-être que c'est à cause de ce conflit que vous allez, ou qu'il va y avoir que quelque chose va être tranché. On va décider des choses. On a la lune et le soleil, donc on a les contrastes. Moi ici, bon, c'est le valet de trèfle. On pourrait dire ici, c'est un messager, donc, mais c'est un messager de bonnes nouvelles. C'est un messager qui va nous donner de bonnes nouvelles. Mais je vois quand même une tierce personne. Mais c'est marrant parce que je ne vois pas qu'elle sera négative. Ce n'est pas une personne négative. Ou alors, c'est une personne qui change et qui redevient comme vous l'avez aimé. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. En tout cas, c'est très beau. Et on va y aller avec l'amour. Donc là, ça parle d'amour, ça parle aussi de construction, mais s'il faut le mettre par rapport à votre problématique. Donc, oui, vous mettez par rapport à votre problématique pour mieux comprendre, évidemment. Hein. Tout le monde ne va pas faire construire une maison et tout le monde n'a pas un amant. Hein. Ces jeux sont tellement épais que, évidemment, je vais retourner régulièrement les cartes. Elles vont tomber. Et j'ai pas toutes les. Allez. Aujourd'hui, je vais choisir trois cartes. Je vais pas faire des. Non, pas envie. Allez, hop, je coupe. Je coupe, on va regarder. Alors, ici nous avons le roi Gabriel, le roi de Gabriel. Et le chevalier d'Ariel. Donc, ici, le roi, ça va nous parler déjà d'une personne qui a une forte personnalité. C'est une personne qui est généreuse. C'est une personne qui. De qui on peut s'inspirer, c'est une personne qui peut nous apprendre des choses, c'est une personne qui a un caractère qui est déjà enthousiaste. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, de toute façon, je vais lire ce qu'il est marqué, mais regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc, ça, c'est le personnage, la qualité du personnage. Maintenant, je pense que c'est soit vous, soit la personne que vous aimez, ou la personne qui vous aime, ou bien la personne que vous allez rencontrer et que vous ne connaissez pas encore. Si vous êtes spectateur de quelque chose, on vous dit de lâcher prise et de ne pas intervenir. Alors, cette carte, elle nous dit aussi qu'on réussit tout ce qu'on fait. Ici, on réussit tout ce qu'on fait. Et en général,
Donc par rapport à l'amour, je suis ici, je vais, on est par rapport à l'amour ici, le tirage. Donc, ça nous parle aussi d'une personne qui a de l'expérience, ou c'est vous qui avez une certaine expérience et ça va vous mener à la réussite. Ou alors, vous n'avez aucune expérience et l'autre en aura et ça va vous mener à la réussite. Cette carte va vous mener à la réussite de toute façon. Le chevalier d'Ariel, ici, c'est une personne qui va être dévouée, c'est une personne qui est digne de confiance, c'est une personne qui est aussi compréhensive, qui peut être drôle. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc, vous devez faire beaucoup de choses ou vous devez faire une chose très importante. Pour pouvoir avancer, si vous êtes un peu bloqué, c'est quoi ce bruit ? Il faut détailler, il faudrait peut-être faire un programme. Faire un programme pour que vous puissiez avancer dans le bon sens, sans oublier quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Il faut vraiment faire un espèce de planning ou un espèce de pense-bête. Un espèce ou une espèce qu'on dit. Une espèce de pense-bête, une espèce de planning. C'est espèce, c'est une espèce. N'est-ce pas ? Dites-moi si c'est une espèce ou un espèce. Il suffit juste de taper Google masculin ou féminin. Une espèce, je pense. Donc, voilà. En tout cas, il y a une personne qui est très gentille, qui va venir vers vous. C'est une personne qui est gentille. C'est le cavalier, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et c'est quelqu'un qui va être digne de confiance. Voilà. Donc, peut-être aussi que ça va vous inciter à vous confier. Ou alors, il y a une personne ici qui va aller... Ce sera le messager d'une personne. Le chevalier d'Ariel, ça va être le messager ici du roi de Gabriel qui, ici, va nous aider à veiller ou va veiller sur ce que l'on fait. Donc, je vais choisir trois cartes, évidemment. One, two. C'est parce qu'on ne discute jamais sur les jeux de Dorine Virtue, mais je le dis chaque fois, regardez quand même. Quoi. Ces jeux sont quand même vraiment toujours mal faits. Hein. Je ne sais pas si vous... Voilà. Il y a toujours des... Ils ne sont jamais... Ils ne sont jamais... Il y a toujours des lignes blanches. Ils ne sont jamais très, très bien mis en pain, je trouve. Bon, c'est pas grave. Nous avons le 3 de Raphaël. Nous avons le magicien, ce qui est magnifique. Et la décision. Ben voilà. Qu'est-ce qui va se passer d'ici pour l'amour, les amis ? Alors ici, ben évidemment, le 3 de Raphaël, on va faire la fête. Donc peut-être que vous allez être de sortie. Je pense... Oui, on va faire la fête, il y a quelque chose qu'on va pouvoir fêter. Ça va parler donc de bonnes nouvelles. Ça va parler de la famille, une bonne nouvelle par rapport à la famille. Donc voilà, on fait la fête. Je regardais les visages. On fait la fête. D'ailleurs, il est mis ici. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, bonne nouvelle. Le magicien, ben évidemment, avec le magicien qui est l'archange Raziel, évidemment, tout vous est permis. Vous allez pouvoir tout
réussir, si vous le désirez et si vous le faites correctement. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc ici, vous allez faire la fête parce que il y a une réussite à la clé, ou vous savez déjà que vous allez réussir, ou vous allez peut-être faire la fête parce que vous avez réussi. Déjà, c'est déjà réussi. Et ici on a l'archange Jophiel, la décision. La décision, c'est la justice. Donc ici, on nous dit, je lis ce qu'il est marqué, hein, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Comme d'habitude. Quand on manque de confiance en soi, on est toujours dans le doute, on se remet toujours en question et on n'avance pas. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Donc ici, peut-être pour vous qui attendez quelqu'un, qui attendez qu'une personne, vous attendez la bonne personne, il faudrait peut-être changer certaines choses. Admettons ici que vous êtes dans une famille très très catholique, du sud de l'Italie, et en voilà, on va dire ça ainsi. Alors je ne critique pas, hein. J'adore l'Italie d'ailleurs, je ne critique pas du tout, hein, du tout. Et ici, ben, on va dire, alors, non, je ne peux pas prendre ça comme exemple, ça va être mal perçu. Alors que c'est pas du tout ça que je voulais dire. De toute façon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour ? Il y a une décision qui va être prise. Nous avons la justice. La justice, elle gagne ici. D'accord ? Donc, il y a un équilibre que l'on retrouve. Il y a, pour moi, avec les cartes des côtés, donc elle est au milieu, cette carte, elle est au centre, donc c'est une carte de confiance en soi. On rattrape une confiance en soi grâce à ces deux cartes-là. On a toujours besoin de se purifier. Se purifier l'âme, se purifier le cœur, se purifier le corps. Vous vous sentez toujours sale, ou, ça se peut aussi, vous avez été sali et humilié d'une manière ou d'une autre. Et vous portez ça comme une croix. C'est une épreuve pour vous. Et ça vous gêne et ça vous empêche d'aller de l'avant, tout simplement. Vous devez vous purifier et du coup, vous manquez de confiance en vous parce que on vous a toujours mis à rien, parce que vous avez été violé, parce que vous avez été battu, parce que vous n'avez pas pu vous rebeller. Vous avez peut-être, donc vous manquez peut-être d'un peu de confiance en vous. Ce qui pourrait poser des questions à certaines personnes qui auraient envie de faire sa vie avec vous. Mais il y a un truc qui m'est venu et j'ai oublié. Merde. Mince. Je ne sais plus. En tout cas, si vous êtes un petit peu une personne négative en disant « Ouais, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. » Vous voyez quelqu'un d'heureux et vous vous dites « Oui, mais de toute façon, ben voilà, ils sont heureux, ils ont une vie, ils ont des enfants, ils ont une belle maison, etc. »
Ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus heureux que vous, déjà. Et ce n'est pas pour ça que vous, vous ne l'aurez pas. Donc vous devez vous dire que c'est en train d'arriver. Mais comme vous manquez de confiance en vous, vous repoussez les gens. Personnellement, je trouve... Alors ça, c'est moi. Je sais que tout le monde, non. Mais moi, une personne qui manque de confiance en elle, une personne timide, je vais m'attirer les foudres dans le cours des gens, ça sert à rien. Voilà, vous n'allez pas me convaincre du contraire, puisque je pense ça, et voilà, je suis comme ça, j'ai toujours pensé, mais, et c'est peut-être très mal de penser ça, mais moi, les personnes qui manquent de confiance en elles, je n'irai jamais vers ces... J'irai vers ces personnes-là, mais je ne saurais pas... Ça m'énerve. Ça, une personne timide, ça m'énerve. Mais elle n'a plus rien, bon, c'est comme ça. Et ici, je pense qu'il faudrait... Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc il faudrait vraiment, pour certaines personnes, que vous ayez confiance en vous. Ça veut dire qu'on part gagnant. Si vous partez avec des inquiétudes et avec de la négativité, en disant « Ah ouais, mais allez, franchement, ça n'est pas possible que ça m'arrive », ben non, alors ça n'arrivera pas, c'est certain. Mais en disant « On part gagnant », on dit « Voilà, je gagne mon procès, je sais de toute façon que je gagne mon procès », eh bien, vous gagnerez votre procès, si vous en êtes persuadé. Et je vais vous dire un truc, par exemple, rien à voir ici, mais moi, je vous l'ai déjà dit, mais quand j'allais avec le papa de ma fille, mon ex-mari, donc on avait des occasions d'aller à certains endroits où il y avait des tombolas, mais des très très belles tombolas. Bon, il y avait même des Ferrari, mais ça, j'ai jamais gagné. Je n'ai jamais demandé non plus, d'ailleurs. Enfin, soit. Chaque fois qu'il y avait un objet que je voulais gagner, c'était mon mari qui gagnait. Eh bien, chaque fois, on l'a gagné. Chaque fois. Je le savais. Et je ne sais pas pourquoi j'arrivais à faire gagner ça. Et maintenant, je le sais. C'est la loi de l'attraction. C'est le fait de dire, je sais que je vais gagner ça, je sais que je vais gagner ça. Je sais que je vais gagner ça. Et je sais que je vais le gagner. Je le gagne. Je le gagne chaque fois. Chaque fois. Mais chaque fois, hein, c'est fou. Ben, j'ai jamais demandé pour gagner là. C'est une Ferrari ou je ne sais plus quoi à l'époque, il y a très longtemps. Il y avait des montres, etc. Ouais, franchement, j'aurais dû. Mais là, je me souviens, j'ai pas fait parce que ce n'était même pas pensable que je puisse gagner ça. On n'aurait peut-être même pas pu payer l'assurance ou la mise en circulation. Donc voilà. En tout cas, ici, il y a une décision qui va être prise. Il y a un bonheur familial et vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer dans l'amour. Voilà les amis. On fait un petit oui-non. Avec celui-ci. Allez, posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non. C'est bon? On y va? Je coupe. J'ai la cigogne et le vaisseau. Alors là, on va déménager, les amis, à l'étranger. On part à l'étranger. Il y a une naissance à l'étranger. Une maman à l'étranger. Allez, on y va. Nous avons 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 et 13. Donc là, il n'y a pas de oui ni de non. On peut s'arrêter là ou on continue avec la souris, le serpent, madame. Madame, si vous trompez votre mari, faites attention, vous allez avoir des ennuis.
les poissons, les étoiles, je ne juge aucunement, le trèfle, je vous préviens, le renard et la croix, c'est non. Voilà les amis, je regarde quand même si l'anneau est bien là. Il faut que je les retalque, je les ai déjà talqués mais pas assez. Ah oui, l'anneau est ici, donc oui, c'est non. Soit vous arrêtez aux 13 cartes, c'était on ne sait pas, soit on continuait et nous avons eu le non. Mais voilà, c'est peut-être la réponse à laquelle vous voulez. Est-ce que je fais le breloque, il est tard? Je vais faire une petite poignée de breloque pour avoir un petit peu... Je bois un petit coup. J'en prends peu. Ouais, j'en ai pris peu, mais j'en ai beaucoup. Donc. Allez, on y va, je me dépêche. J'essaie de me dépêcher. Alors, ici, on travaille. Ouh, je vois ici vraiment. Il y a quelque chose qui change. Ici, il y a une naissance. On est en train de programmer une naissance. On est en train de mettre en place, on peint une chambre, on diminue, ça diminue, les jours diminuent. Attendez, hein, juste 30 secondes, je cherche si j'ai pas quelque chose que je voudrais savoir si j'ai. Je joue aux puces. Bon, allez. Donc, oui. On programme une grossesse. On programme quelque chose. On essaie de tomber enceinte. On essaie de tomber enceinte. Ça, je n'utilise pas. Ah, si, ça va. Ok, c'est juste. Donc, en effet, je confirme. Une grossesse, absolument. Donc, vous allez peut-être tomber enceinte sans le vouloir. Je cherchais ma cigogne en fait. C'est un pélican, ça, mais bon. Un pélican, mais non, c'est une cigogne. Mais non, enfin, je sais plus. Alors, une période de chance ici. Il y a une période de chance, vraiment, vraiment, je vois. Alors, par rapport à. Alors, si vous faites du cheval, si vous faites du cheval, si vous faites de la natation, je vois quelque chose de très. De la musique. Un art, si vous faites quelque chose d'artistique, il y a quelque chose de... Vous avez gagné. Gagner des prix, gagner quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez gagner. En tout cas, très, 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 très progressé, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de bonheur ici. Aussi. Beaucoup de bonheur. On est heureux. On est vraiment heureux. Une force. On a une force. J'ai quand même une notion de l'hiver, donc ça vous parle, pourquoi l'hiver? Oui, j'ai l'hiver. J'ai un décès, attendez. J'ai le décès. Oui, j'ai un décès. Une personne qui s'en va vers la lumière. Donc, c'est une personne qui va... Ça peut être soit un enfant... mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera un ange. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas se réincarner, mais qui pourrait... qui a terminé ici sa mission de vie, que ce soit une personne jeune ou pas. C'est une personne qui retourne parce qu'elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse.
Attention, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. C'est une personne qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, je reviendrai à Noël, ça je suis certaine, je reviendrai en hiver. En hiver, et vous aurez des signes de cette personne, à Noël ou pas, hein, mais lors d'une fête, où vous allez avoir des nouvelles, vous allez voir qu'elle va vous faire des signes. Alors oui, ça peut être, c'est la fin d'une personne. Ça pourrait aussi dire ici, c'est la fin d'un travail aussi. C'est la fin d'un travail. J'ai un travail manuel. Alors, pas le travail manuel, pas le travail comme un peintre, pas le travail d'artiste. Un travail manuel. Ça peut être à la ferme, ça peut être agriculteur, ça peut être boulanger. Voilà, ça peut être un travail comme ça. Je vois plus boulangerie, bois, oui, dans le travail du bois, travail de la ferme. Peut-être un décès, à cause d'un décès, quelque chose qui se terminerait, peut-être. Alors, mais c'est quoi ce putain de bruit ? Excusez-moi. Alors ici, on a beaucoup de chance. Ah, ici, il y a quelque chose de nouveau. Ah, la fin de quelque chose, la fin de quelque chose va vous apporter de la chance. Va vous pouvoir vous permettre de changer. Attention, ça pourrait être la fin de quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça pourrait être ça. Quelqu'un vous a fait du mal et cette personne, elle ne sera plus là pour vous en faire. Ok, ça me parle plus. C'est une personne qui vous a fait du mal ou qui a fait du mal à d'autres personnes. Il va y avoir une... Ouais. Une personne méchante va s'en aller. Ok. Alors. Déplacement, petit déplacement. Protection, bien évidemment. Protection de justice. Ici, j'ai quelque chose par rapport à la justice. On garde l'équilibre. Oui. On essaie de vous... on vous traîne en justice alors que vous n'avez rien fait du tout. Ou ce que vous avez fait est quelque chose de correct. Donc de la chance, vous allez pouvoir compter sur un ami ou une amie. Ou des amis ou des amis. Ça va être rare, mais il va y en avoir. Vous pourrez compter dessus. Quelqu'un va vous aider avec une certaine force physique. Une force physique. Pour certaines personnes, il y a un problème avec une voiture. On va vous prêter une voiture, un problème. On vous jalouse. On vous jalouse par rapport à un achat que vous venez ou que vous allez faire. On va vous jalouser. Il y en a qui vous copient. Dans le sens, tu t'achètes ça, je m'achète ça. Voilà, il y en a qui sont copiés. Petit déplacement. Oui, donc petit déplacement, on a la protection. On va peut-être aller dans un pays où il fait plus froid. Ou bien où les nuits tombent plus vite. J'ai la nourriture, donc j'avais le pain. J'ai la nourriture, j'ai la tasse de café en fait. Mais... En tout cas, j'ai de l'amour. J'ai aussi des vacances, j'ai aussi une plage, j'ai des choses qui vont être reportées pour l'hiver, en tout cas qui vont être reportées au moins pour l'hiver prochain ou l'hiver d'après.
je vois qu'il pourrait y avoir une addiction. Quelqu'un qui joue au jeu. Ça pourrait devenir une addiction et ça pourrait devenir très problématique. Il y a des choses donc qui vont être mises à la lumière. Il y a beaucoup de protection ici autour de vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec le climat. Je sais pas quoi. Problématique avec le climat. Oui. Bah écoutez, moi, c'est tout ce que je vois. Oui, on a encore des petits ennuis, des petits soucis, des petits soucis. J'ai beaucoup de chance. Vous allez avoir beaucoup de chance. Hein. Beaucoup, beaucoup de chance. Je n'ai. Attendez, souris ici. Faites attention au vol. On va vous voler quelque chose. On risque de vous voler quelque chose. Ce sera de votre faute parce que vous allez introduire cette personne-là chez vous ou vous allez introduire ce personnage à l'endroit où vous travaillez. Il va y avoir un malaise. Oui, il va y avoir un certain malaise. J'ai quand même deux épingles ici. Donc, et là, j'ai le numéro 58, donc si ça vous dit. 13. L'arcane sans nom, la fin. La fin, mais non, c'est pour mieux revenir. Donc, moi, les épingles de nourrice, ce sont celles-ci à la crâne, parce que j'aimais bien. Ce sont des. Pour moi, ça me fait penser aux bébés, évidemment, alors qu'on ne leur met plus déjà depuis très longtemps des épingles de nourrice. Voilà. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de solide et quelque chose aussi que l'on fait à deux. Et ça va être quelque chose de très solide. Donc j'ai envie de vous dire, oui, lancez-vous. Si c'est un projet que vous avez, lancez-vous. Oui. Oui. Ça va aller plus vite que prévu d'ailleurs. Vous allez le faire. Intelligemment. Voilà. Bon, allez, j'arrête, sinon je vais passer encore des heures. Je vous fais des bisous les amis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis surtout, soyez positifs. Bisous, bisous.